La rentrée des entreprises, organisée par la Fédération des entreprises romandes Genève, est l'événement phare de la rentrée économique genevoise. Alors la Fédération des entreprises romandes Genève, c'est d'abord un interlocuteur très important dans le partenariat social. C'est aux côtés des syndicats un acteur important de la paix sociale, si nécessaire à la Suisse pour qu'elle fonctionne. C'est ensuite une boîte à idées, un vecteur de nouvelles propositions, important aussi par les temps qui courent. Enfin, c'est une association fêtière qui me permet d'avoir un accès direct à toute une série de secteurs d'activité. Et en ça, c'est extrêmement précieux pour le pouvoir politique. Blaise Matet, directeur général de l'Affaire Genève, a exprimé pendant son discours de vifs remerciements à l'égard de l'ensemble des chefs d'entreprise présents ici ce soir. Je lance un appel à chacun pour qu'il favorise l'esprit d'entreprise, compris quand un esprit d'ouverture et d'ambition par rapport au monde qui nous entoure. Ce soir, vous êtes à la rentrée des entreprises, il y a 3000 personnes ici. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à cet événement ? Échanger avec des partenaires potentiels, trouver des clients, pourquoi pas. Nous cherchons des contacts, nous sommes toujours très contents de rencontrer des personnes, des rencontres, voir des gens, leur expliquer le propos, parce que rien de mieux que d'échanger. Pierre Maudet, en charge du département de l'économie et de la sécurité, nous a fait l'honneur de nous adresser un discours extrêmement musclé, qui s'adressait directement aux chefs d'entreprise. Mesdames, Messieurs, les entrepreneurs, nous avez montré en début d'année, et je veux prendre ici un exemple précis, votre capacité de réagir rapidement, en concertation, dans la majorité des cas, avec les syndicats, pour augmenter la productivité. Vous êtes membre à l'Affaire Genève, qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, je crois que la première chose que ça m'apporte, c'est une possibilité, quelque part, d'exister en tant qu'indépendante, notamment par rapport aux assurances sociales et de remplir mes obligations. Je crois que c'est un point qui est très important. Quelles solutions voyez-vous, envisagez-vous pour fluidifier le trafic en ville, en particulier le trafic professionnel ? On va régler ça, je dirais, par zone, hyper-centre, centre et périphérie. Les travaux vont bon train, on arrive à trouver des alliances en se mettant tous autour de la table. C'est les zones vertes, on a fait celle de Mérin-Vernier, 3 km d'ondes vertes. On gagne 340 heures de trafic par jour et on prévoit d'en faire d'autres sur Malagnou, la route de Chancy, l'œil du lac. Ouh, les défis dans l'automobile, c'est tous les jours. C'est un secteur où il y a beaucoup de concurrence entre les marques, entre les constructeurs. Yvan Slatkin, le nouveau président de l'Affaire Genève, s'est particulièrement exprimé lors de son discours sur la question du Francfort, mais aussi des enjeux des élections de cet automne, ainsi que des difficultés liées à l'immigration et surtout à la mise en place de l'initiative contre l'immigration de masse. Ces accords, essentiels pour notre économie, doivent impérativement être maintenus au risque de faire plonger notre pays dans une récession. Message positif dans un contexte difficile, il faut le reconnaître, c'est que les autorités et le Conseil d'État sont conscientes de l'apport des entreprises, juste fondamental. Moi qui suis en charge des finances, je sais qu'avant de pouvoir dépenser un franc des impôts qui sont prélevés, ben, il faut en tout cas le gagner, et même bien davantage. Je leur souhaite, parce que les temps sont difficiles, la capacité de penser les choses autrement, de regarder les choses de façon un peu décalée, et puis pourquoi pas de se mesurer à quelques entreprises qui ont eu la capacité d'innover ces dernières années et de montrer que Genève a ce potentiel de développement et cette ambition. Mon message, c'est l'union fait la force et je crois qu'on doit tous tirer à la même corde. Continuez à entreprendre, continuez à faire bouger ce canton, ce pays. On a besoin de vous, la compétition est mondiale et il n'y a que grâce à vous qu'on arrivera à fournir encore des emplois à notre population.